Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Civilisation 6 avec la France. Bon alors désolé, vous avez pas eu d'épisode, je crois, vendredi. Je vous remets celui-là, bien entendu, le plus rapidement possible, parce que j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc on va reprendre notre let's play. On est en train de faire à l'université d'Oxford à Marseille. Un réseau d'égouts un peu partout, et une petite place du théâtre à Rouen. Et nous avions aussi une nouvelle colonie, la nouvelle colonie de Rennes, qui était en train de finir son grenier. Quelques barbares à tuer avec notre arbalétrier, mais a priori, notre vassal de Hong Kong va s'en occuper. Je regardais un peu d'ailleurs les quêtes. Hong Kong, ingénieur illustre, ouais, je pense qu'il devrait y avoir bientôt moyen. Ouais, on est assez haut dans la production. Construction instantanée d'une usine et d'un atelier dans ce quartier, ça peut être pas mal du tout. Pour Nand Madol, amiral illustre, établir une route commerciale avec Buenos Aires, ça on devrait pouvoir le faire, je crois qu'on aura bientôt des trucs de commerce qui seront disponibles, d'ailleurs on est à 4 sur 5, donc on pourra faire ça. Donc déjà on va passer ce tour-ci, nous sommes alliés avec le Congo, les Russes nous aiment beaucoup, on est amis, donc c'est pour ça que je peux pas trop les attaquer en fait, hein. Sinon en termes de réputation auprès de tout le monde ça va être un peu la catastrophe. Déclaration de guerre en provenant de Londres, tiens. Alors voilà, ben voilà, en termes de route commerciale, normalement, je suis pas censé avoir une petite icône qui me dit qu'ils veulent une route commerciale. Voyons voir, c'est qui déjà? Nand Madol. Non, c'est pas Nand Madol, c'est Buenos Aires. Et Buenos Aires. On va voir. Ah, mais c'est pas à portée. Buenos Aires qui se trouve au loin là-bas. Effectivement. J'imagine que même si je me mets à Rennes. Alors, je vais peut-être me déplacer à Rennes pour voir. Ok. Et comme ça, dans le pire des cas, on fera une route qui ira jusque vers Hong Kong, par exemple. On verra. Donc, ici, nous étions en train de répartir notre religion. Donc, on va aller à un endroit qui n'est pas encore de notre religion. J'ai bien envie d'aller à Tver. On sait. Si tu veux bien te déplacer. Voilà. La vue, machin chose, elle a un peu space. Voilà, donc là c'est déjà catholique. Alors ensuite, donc à Rennes, nous avons terminé notre grenier. On nous conseille des remparts ou un monument. En même temps, en termes de tours de construction, je suis assez d'accord que c'est le plus rapide, quoi. Donc ouais, on va faire les remparts tant qu'à faire, parce que s'il y a des barbares qui arrivent dans le coin, comme ça au moins, on saura les gérer, quoi. Ensuite, alors une scierie ici. Excusez-moi, une petite scierie ici me semble pas mal, effectivement. C'est parti. Nous avons un espion du coup maintenant. Donc ces fameux espions, une fois qu'ils sont déployés dans une ville, peuvent agir. Et c'est rigolo, c'est quoi ces étoiles? Ah, c'est un régiment d'arbalétriers. Je pense qu'on peut combiner en fait plusieurs unités. Ouais, vous voyez? Et je pense qu'il y en a deux en fait. Donc on peut pas voler un chef-d'œuvre. Bénéficie virtuellement de 2 niveaux de plus pendant 24 tours. Augmente la visibilité diplomatique d'un niveau. Tous les pièges de tous les bâtiments de la zone industrielle. Ouais. Gagner le rendement en or pour la durée de la mission mise en place sur Mbazakango, donc 464 d'or. Et vol d'optimisation. Vous avez volé une optimisation sciences économiques. On peut peut-être faire ça. Durée de la mission 8 tours. 37%. Ouais, ok. Ah, il gagnera un casus belli quand même. On peut peut-être essayer ça pour voir. Les espions bénéficiant virtuellement de 2 niveaux de plus pendant 24 tours. Des niveaux de quoi exactement? C'est ça que je comprends pas encore tout à fait. Bon, lui, il a fini son tour, là. Ah non, je peux encore... Ah, parce que j'ai encore 0,5 de mouvement, je peux propager la religion. Mais non, tu peux passer ton tour, toi, en fait. Qu'est-ce qu'on a? La Valette a déclaré la guerre à Victoria. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Voyons voir. On n'est plus qu'à un tour pour la balistique, 2 tours pour le génie civil... Et dans 2 tours, on va avoir notre réseau d'égouts. En termes d'unités, effectivement, est-ce que ça vaudrait le coup de pas en construire un tout petit peu plus? Ah oui, voilà, ce que je voulais faire, c'est, vu que j'ai 1500 de thunes, je vais acheter ces deux cases-là, parce que bah, c'est la merveille, comme ça, j'ai entièrement la merveille. L'un d'entre vous m'a conseillé ça, je trouvais que c'était une assez bonne idée. Et genre, je sais pas, peut-être que je peux acheter quelque chose ici, un petit monument, comme ça il l'aura. Vu que j'ai pas mal de thunes, autant les dépenser. Après, en termes d'upgrade d'unité, je crois que mes unités sont déjà upgradées, donc j'ai rien de mieux à faire de ce côté-là. Donc on va passer notre tour. Mmh.
La plupart de la ville de Rome s'est convertie à l'islam. Ok, canon de campagne. On a déjà un saint pour la balistique ou pas encore? Ok. Voyons voir. Alors, nous avons un bâtisseur ici. Il me propose... Non, je pense qu'on va plutôt l'envoyer à Rennes, parce qu'on a, de l'amélioration à faire dans le coin. D'ailleurs, t'as combien de charges, toi? Bah, il en a plus qu'une, malheureusement. Voyons voir, en termes de technologie. Soit on peut avoir le laboratoire de recherche et l'unité anti-char. Non, on va plutôt aller sur l'industrialisation, du coup, pour avoir l'usine. On a notre optimisation grâce à nos ateliers, donc c'est parfait. Ensuite, bah toi, tu vas tout simplement tirer là-dessus. Putain, non, mais eux, ils ont quand même des vieilles unités, là. Des très vieilles unités, même. Donc, ouais, je n'ai toujours pas la portée, malheureusement, pour aller jusque là où je voulais aller. Donc, du coup, peut-être qu'en termes de route, ça serait pas mal d'essayer d'aller à Candy, par exemple. Qu'est-ce que ça me dit, Candy, pour voir? Plus 3 d'or, plus 3 de foi. Ouais, et si je dois aller à Nandmadol... Je dois aller à Nandmadol, ça me fait... Cette route-là... C'est pas évident de voir de quelle route il s'agit exactement. Alors que si j'essaie d'aller à Voronezh par exemple, est-ce que c'est plutôt celle-là? Ouais, on va la tenter. Oh. Ah merde, il me refait passer comme ça ce con. J'aurais préféré qu'il passe comme ça pour faire une lien avec Hong Kong, mais bon, c'est pas grave. Donc toi tu vas jusqu'à te faire. Ok, et j'en ai d'autres d'ailleurs, des missionnaires. Toi d'ailleurs tu vas aller jusqu'à Astrakhan. La Russie a construit un campement, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est l'église orthodoxe qui est plutôt vers le nord. Une erreur classique chez ceux qui tentent de concevoir des systèmes parfaitement infaillibles est de sous-estimer le degré d'astuce des imbéciles. Donc plus 30% de production pour les bâtisseurs. Ceux à venir pourront construire deux aménagements supplémentaires. Ils sont déjà à 4, je crois que ça montrait à 6. Et production plus 15% pour les merveilles de l'ère industrielle. Alors qu'est-ce qu'on a déjà? Science plus 100% pour les bâtiments des campus. C'était pas mal. Or plus 1 pour chaque émissaire dans une cité-état. Ça c'était cool aussi. Et oh putain, mais j'ai une doctrine disponible ici. Juste par curiosité, mes chefs-d'œuvre, j'ai de la place pour pas mal de choses, je crois. Notamment des portraits, des sculptures, des paysages, des religions, des reliques. Ouais, je pense qu'on va aller vers des trucs illustres. Parce qu'on a déjà le point d'artiste illustre par tour. Peut-être le musicien illustre plus 4, c'est pas mal quand même. Voilà. Ah, il me manque une doctrine militaire du coup. Je pensais que je les avais. On est à quoi? Activité plus 1 dans les villes avec une unité en garnison. Ouais, ça on s'en sert pas. 50% de réduction pour toutes les améliorations d'unité. Ça peut être pas mal. Non, c'est la production augmentée qu'on peut faire. Bon, on va rester là-dessus, vu qu'on va, comme ça on pourra améliorer nos trucs, nos unités. Yep, doctrine terminée. Donc en termes de dogme, nous avons soit l'histoire naturelle, qui nous permet d'avoir un zoo, un ermitage, un archéologue. Soit on peut faire tout ce qui est colonialisme en fait, enfin nationalisme. Production plus 50%, l'ère industrielle moderne, ok. Et malus de combat, moins 50% si l'unité est blessée. On va plutôt aller sur l'histoire naturelle pour le moment. Alors, quelle est la ville qui... Ok, c'est la ville de Rennes qui est à 4 sur 5 maintenant. Alors, Paris vient de faire... donc, on est à 14 sur 17 grâce à... comment ça s'appelle? Au réseau d'égouts. Elle me conseille soit la plateforme commerciale, soit le complexe de loisirs, soit le campement. C'est vrai qu'après, dans 3 tours, on pourra construire une usine. Et en termes de merveilles, on n'a plus la place, je pense, tout simplement. Alors, si je dois faire un campement, il me conseille de le faire plutôt vers le nord, a priori. Ok. Si je veux me faire une plateforme commerciale, là, j'ai eu plus 3 d'or, quand même. Plus 2, plus 3 ici aussi, mais bon, il y a une ressource dessous, ça fait chier. La ressource de blé, je préférais ne pas m'en débarrasser. On a du plus 2 là-haut. Pas trop mal. Excusez-moi, putain. Allez, vous savez quoi, on va faire ça. Voilà. Donc, toi, tu vas nous tuer, ce monsieur. Et après, il nous reste du coup notre piquier. Mais pas sûr que... Je pense que la cité-état va y aller comme une grande.
Ah, ils veulent 1 d'argent contre le libre passage, 3 d'or par tour et 14. Non, c'est pas assez. Oh, elle est pas contente. Ouais, la plupart des villes du Congo, ça on savait. La nouvelle rive de Puetoli. Ouais, c'est vrai qu'on connaît pas grand chose de ce qui se passe sur ce continent. Notre caravelle est toujours en train de... Ah bah tiens. Bah merci. Ok, donc Astrakhan. Vos prosélytes ne sont pas les bienvenus. Je vous demande de les rappeler. Merde. Zut, je pensais qu'il allait les accepter. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans une guerre religieuse avec lui? Allez. Oh, il y aura des conséquences. Bon, il va pas être content. Bon, on est amis, mais pas trop amis, en fait. Et du coup, où est mon mec? Ah, personnage illustre. C'est quoi? Un savant illustre, voyons voir. Déclenche un Eureka pour 2 technologies aléatoires de l'industrie ou moderne. Permet de découvrir du pétrole sans avoir découvert la technologie requise. C'est James Young. Bon, on va le recruter, ouais. Pourquoi pas? Donc, toi, t'es où? T'es là. Il faut que je te mette là, a priori, pour t'activer. C'est parti. Donc, poum, l'électricité et l'acier. Et a priori, du coup, on est censé avoir découvert du pétrole. Y a pas de pétrole dans mon désert. Je suis dégoûté. C'est pas normal. Où est mon pétrole? Y a du pétrole ici. Bon, il faut les matières plastiques de toute façon. Mais ouais, il y en a un petit peu là. Voyons voir. Après, peut-être dans la mer du Sud, est-ce qu'il n'y en aurait pas? Non. Ah, c'est un peu la galère, dites donc. Est-ce que j'en vois sinon chez mes alliés, voisins, ennemis? A priori, il y a juste du pétrole ici. Est-ce que Ren serait à portée pour l'acheter? Ah putain, non. Juste à 1 de distance. Donc, il faudrait que je fasse une autre ville par là, en fait. On a quoi? On a des chevaux. Ouais, mais on a juste du pétrole, quoi. C'est vraiment pas génial. Bon, il y a quelques collines au pire, mais... Ah, c'est vraiment pas cool. J'ai bien envie de prendre ma caravelle, là. Je voudrais qu'elle vienne explorer un peu dans cette région. Qu'est-ce que tu fais? T'as décidé de passer de ce côté-là? C'est surprenant. Ah oui, du coup, toi tu vas venir là, et toi tu vas revenir à Marseille. Toi tu vas même rentrer dans Rennes, parce que comme ça on aura une activité supplémentaire. Donc, ici, boum. Ici, a priori, boum aussi, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de pression, quoi, par là. Ah mais c'est lui, il a terminé son mouvement, il peut plus agir. Oula, les Russes sont en train de s'attaquer à Buenos Aires. Non, c'est pas les Russes, c'est le Congo, ça. Ah, voilà. Vous voyez quand vous voulez. Alors, à Rouen, nous avons fait notre plateforme commerciale et notre place du théâtre. Ça prend pas beaucoup de tours, je pense qu'on va faire un petit amphi. Ouais. C'est assez rapide. Ah, nous avons des émissaires à envoyer maintenant. Alors, ce que j'avais bien envie d'essayer de faire, c'est d'être en... Déjà, je peux peut-être monter à 6 ici, histoire d'avoir les plus 4 d'or pour chaque plateforme commerciale. Et ensuite, ouais, après les autres, j'étais que à 1. Suzerain, aucun. On devrait peut-être pouvoir essayer d'y aller quand même. Voilà. Ok. Et ensuite, juste par curiosité, on a quoi? Plus 4 activités, ici plus 3. On est à plus 3 aussi, et ici on est à plus 3 aussi. D'accord, donc niveau activité, tout va bien. Ok, on a bien toutes nos routes commerciales. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le bâtisseur. Donc ce bâtisseur, il va nous bâtir... Ah non, merde! Ah zut, je me suis trompé. Bon, on va faire un campement ici. Toi, tu reviens dans la ville, s'il te plaît, au prochain tour.
Mon Dieu, de l'or a été volé. Au voleur. Les mots clés d'une économie. Ok, donc nous avons les usines. Super. L'industrialisation, la centralisation, l'efficacité, la quantité et la vitesse. Ok. Donc, toi tu reviens là, tu te mets en fortification. Toi tu viens là, et tu vas construire. En termes de technologie, la tour Eiffel. Ah oui, carrément, faut qu'on la construise. J'espère qu'on aura la place à Paris. Ouais, là ça me donne pas beaucoup d'infos. Ah, je peux acheter une usine, mais ça coûte un peu cher. Après, on a 522, on pourrait faire des apôtres si on veut. On va en faire deux. On va en faire un pour voir déjà. On va l'envoyer, je pense, ici. Ok. Bon, on a même d'autres à faire là. On va tenter de finir quand même notre plateforme commerciale avant de... Paris a une très bonne croissance en tout cas. On est à 14, 13 pour Nantes. Vous voyez Nantes, hein, quand même. Hein, on me dit, placement de merde, tout ça, tout ça. C'est une super ville. Bien meilleure que Toulouse. Ah, bah oui, carrément. Et carrément aussi. Donc ça fait plus 0,5 d'habitation. On reste à 4 sur 5 pour le moment. Faudra d'ailleurs aller améliorer ça, mais j'ai plus de bâtisseurs. On va voir. Avec les thunes que j'ai, je peux en acheter un. Voilà. Donc à Toulouse. À Toulouse. Moi, j'ai bien envie de partir sur l'usine. On fait quoi exactement? Ce bonus s'étend à toutes les villes situées dans un rayon de 6 cases. Donc Nantes va en bénéficier. Peut-être Paris. Où est-ce qu'il est mon centre industriel? C'est ça, là, hein. Route industrielle, non, zone industrielle, oui. On va voir, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, carrément, ah oui, bah oui, boum. Ah, mon apôtre peut recevoir une promotion. Prêcher une croyance, lancer une inquisition, propager la religion. Je peux peut-être lancer une inquisition pour voir, je crois que ça me permet de faire des inquisiteurs en fait. Mais non, les inquisiteurs c'est pour se défendre contre les unités religieuses ennemies, je crois. Propager la religion. C'est quoi, prêcher une croyance? Juste par curiosité, je clique. Hein. Ouais. D'accord. Ah, oui, choisir une croyance. D'accord, donc je peux rajouter une nouvelle croyance à ma religion, a priori. Fois plus 2 pour chaque ville convertie à cette religion dans d'autres civilisations et cités-états. Ça, c'est intéressant. Bonus type des cités-états convertis à religion, plus 50%. Chaque campus ou plateforme, ouais... La religion se propage aux villes 30% plus éloignées, c'est pas mal aussi ça. Culture plus 1, ça c'est sympa. Texte sacré pourrait être pas mal si on veut, où la pression de votre religion ne baisse jamais en cas de défaite théologique. Propagation de la religion peut être très intéressant, je pense. Ou alors avoir une propagation plus éloignée. Ouais, j'ai bien envie d'aller sur texte sacré. Ok. Alors Rouen est à 8 sur 8, il va falloir construire un réseau d'assainissement là-bas aussi. Donc on peut pas faire l'aqueduc, malheureusement. Qu'est-ce que c'est ça? Amitié terminée avec Pierre le Grand. Yo Pierrot, tu veux toujours être mon pote ou pas? Oh, il veut plus. Il a pas aimé, je crois, le... Bon, on est encore en relation cordiale quand même. Ok. Ben, ça me va, moi. Alors, à Nantes, justement. À Nantes, on me conseille soit le campement, soit le lieu saint. Sinon, j'ai le chantier naval de disponible. Je pourrais peut-être me faire un petit bâtisseur vite fait. Sinon, je peux aussi produire un colon pour essayer de me positionner dans la région. Pour avoir le pétrole. Je pense que ça va nous être utile pour plus tard, le pétrole. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, on va faire ça. Et à Nantes, nous allons faire... ouais, c'est un peu lent, tout ça. J'ai envie de faire une petite zone indus.
pas spécialement de bonus pour la zone industrielle. Pour le lieu sain. Ah ouais, j'ai plus 3 ici. Ça, c'est pas dégueulasse du tout quand même. Ah oui, mais c'est Natural Wonder. D'accord, ça, ça donne un bon bonus. Et le campus, on a rien. Si on a juste du plus 1 ici. Juste par curiosité, hein. Là, on a rien de spécial. Le complexe de loisirs, pas top. Non, le lieu sain a l'air pas mal. Voilà. Donc, toi, tu vas venir là. On va construire ça. Et justement, ça me fait penser, donc, toi, tu vas venir là. Et on va acheter cette case. Ah non, fuck, elle est pile hors de portée. Bon, cette ville n'était pas parfaitement bien placée au final. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, du coup qui serait à portée. J'ai l'impression que ça, c'est à portée maintenant. Alors, de qui, par contre, je sais pas. Pas de Paris. Pas de Marseille. Ok. Ça va m'être super utile dans ce cas-là. Par contre, ça, c'est à portée de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon pour améliorer tout ça? Je pense que j'ai rien de mieux par ici. À Toulouse. Pas trop si j'ai mieux aussi. Ouais, je vais essayer de venir par là pour voir pour l'instant. Ok, toi t'étais pas censé aller dans Marseille. Ok, bon, écoutez les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!